Il va foutre le bordel. Je sens que ça va me plaire. C'est d'après le journal de 13h. Il y a Yves Mourouzi et Marie-Laure Augry. Il y a aussi Myriam Roussel et Monsieur Météo. Les costumes sont d'un type qui leur en veut à tous. C'est une perle rare de Jean-Luc Godard. La télévision, disait Godard, c'est l'escroquerie majeure de notre époque. Cette rubrique est l'histoire de cette époque. Jean-Luc Godard qui se trouve derrière la caméra 1, qui regarde ce que fait notre cadreur. Alors vraiment, c'est une des grosses escroqueries de notre époque, Jean-Luc Godard, la télé. C'est-à-dire, vous recevez pas mal d'argent, redevances, publicité, et à la fin, chaque président de chaîne a un gros problème pour dissimuler tous les bénéfices que ça fait. Quand vous regardez l'écran de contrôle là, de la caméra, qu'est-ce qu'il y a à faire avec la télévision, avec l'image télévisuelle aujourd'hui? Je sais pas, vous pouvez cadrer un peu Yves, là, plus, enfin, quel est le plan moyen du speaker, voilà, stop, là. Disons, ça, c'est le plan type qu'on appelle plan américain. Eh bien, je crois que il y a un point commun entre la Vierge et vous, Yves, c'est que la peinture a toujours cadré la Vierge comme on cadre les speakers aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui annonce les nouvelles. Alors, si je suis la Vierge, allez-y, Joseph, voilà, racontez-nous ce qui se passe dans le monde. Vous n'avez pas très bien saisi le lien entre Augry, Mourouzi, la Vierge et Joseph? C'est normal, l'info qui vous manque, c'est que ce 22 janvier 1985, sur le plateau du Muppet Show de l'info, Jean-Luc Godard vient présenter son dernier film, Je vous salue Marie. Godard a déjà dirigé Jean Seberg, Brigitte Bardot ou Anna Karina. Pour ce film, JLG a choisi Myriam Roussel. Alors on va parler de Je vous salue Marie qui sort demain, qui est le plus récent film de Jean-Luc Godard. Il y en aura un très vite après. Si je le termine. Si vous le terminez. Pourquoi ? Si Dieu me prête vie. Alors, le monsieur cinéma, ici, s'appelle Alain Beverini. Et pour lui, ce jour-là, c'est calvaire et chemin de croix. Il ne faut pas parler qu'à moi, il faut parler à... On va parler ensemble de ce film, quand même. Oui, Myriam, c'est la première fois qu'on vous voit au cinéma. Non, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'on voit au cinéma? Non. En tout cas, c'est la première fois qu'on voit dans un film de Jean-Luc Godard. Non plus, c'est non le plus. Troisième. Alors voilà, c'est raté. J'ai tout perdu. Jean-Luc Godard, je vous salue Marie. Un dernier mot à Alain Beverini. Oui, je pense que tout à l'heure, j'étais un petit peu inquiet quand j'entendais dire que si Dieu lui prêtait vie, il terminerait détective. J'espère que détective sera terminé quand même. Si je le termine, absolument, il sera terminé. Merci, Jean-Luc Godard. Comme ce journal. Alors, comment vous terminez un journal? Vous dites quoi? Je vais dire... La bourse. Non, mais la phrase que vous allez dire au maintenant. Au revoir et je l'espère à demain. Bon. Alors, est-ce qu'on peut se rapprocher d'Yves? En gros plan. Mais je la vois pas. Voilà. Bon, c'est ça que vous appelez un gros plan. Mais je ne sais pas. Non, je suis pas réalisateur. C'est comme ça que vous seriez cadré. Mais je pense, oui. Moi, je pense qu'il faudrait le cadrer vraiment comme ça. Je peux voir l'image. Voilà, il faudrait cadrer comme ça, enlever une lumière, par exemple, ici, et simplement, moi, je sais pas, ben dites-le au revoir, Yves. Au revoir, et à demain, 13h, avec Marie-Laure Augry. Là, vous rigolez, vous le dites pas sérieusement. Vous pensez pas que vous allez les revoir demain. Non, pas penser, pas... On est en droit, est à la Bourse. Ici, la Bourse de Paris, à vous, Yves Mourouzi et toute l'équipe. Ah, Colin, ces histoires de bourse, ça plaît toujours. Et ça vous fait rire, moi, de lui. Surtout avec un Godard.